Jéhovah, Saint Jésus-Christ, Saint Saint-Michel, Saint Seigneur, Saint Jésus, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'Esprit Saint, une force régénératrice. C'est le thème de cette semaine. Actes chapitre 2, le verset 1 à 7 fera l'objet de notre test de base. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, Voici. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Alléluia. L'Esprit, c'est une force régénératrice. D'abord, nous devons comprendre une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. D'autres demandent, si on dit le Saint-Esprit, et on dit Esprit Saint, quelle est la différence? C'est la même chose. Il y a deux choses importantes que nous devons préciser concernant le Saint-Esprit. Premièrement, il est une personne, il n'est pas une chose. Deuxièmement, il est Dieu. L'Esprit Saint, une force régénératrice. En électricité, une régénératrice, c'est-à-dire caractéristique de ce qui permet de régénérer. La personne du Saint-Esprit, d'abord nous devons parler de ce que le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, ni un oiseau. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire la colombe est un symbole du Saint-Esprit. Marc chapitre 1, le verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir descendre sur lui comme une colombe. Comme une colombe. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est un oiseau. Comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Non, le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Ce n'est pas parce que tu prends l'huile que tu as le Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. L'Esprit Saint n'est pas un vent. Non, il peut prendre la forme d'un vent. Mais l'Esprit Saint n'est pas un vent. C'est une personne. L'Esprit Saint n'est pas l'huile. C'est une personne. Actes chapitre 2, le verset 2. Test de base. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà. Or que le Saint-Esprit même est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Tu prends l'eau. Ce n'est pas que tu as le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, le verset 2. L'Esprit se mouvait sur les eaux. C'est pas que l'Esprit est l'eau, lui se mouvait, l'Esprit Saint est une personne. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Merci. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie émanant de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà les choses que le Saint-Esprit n'est pas. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu.
dans Matthieu chapitre 12, le verset 30 à 31, Jésus-Christ disait, celui qui n'est pas avec nous, pas avec nous est contre moi. Quel danger. Celui qui n'est pas avec nous, celui qui n'est pas avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est quoi? Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Il est contre nous. Oui, il parlait de qui? De la Trinité, d'Elohim. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Le 31. Celui qui n'assemble pas avec moi, celui disperse. Qui n'assemble pas avec Jésus-Christ, disperse. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19 à 20, Jésus-Christ disait, il montrait le Saint-Esprit, il disait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il vient aux troisième position qu'il est le faible parmi le trio. Matthieu chapitre 1. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mm-hmm. Et voici. Oui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne divine et non une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Et le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Trinité, c'est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est un concept pour expliquer Elohim. Elohim veut dire trois dieux. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme l'être humain est formé de trois choses, l'esprit, l'âme et le corps. Comme l'œuf aussi, il y a la coquille, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Si tu prends l'œuf, tu prends les trois. Comme l'eau aussi, il y a état liquide, état solide et état gazeux. Alléluia. Alléluia. Les attributs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éternel. Jacques 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Jésus disait, moi je prierai le Père, oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Une chose n'a jamais été un consolateur. Un autre consolateur. Donc c'est une personne par l'aide du Saint-Esprit. Un autre consolateur. Le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient et omnipotent. Dans Isaïe chapitre 11, le verset 2, le Saint-Esprit est une personne, bien sûr, et il donne de la sagesse. L'Esprit de l'Éternel reposera sur vous. Oui. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse, il donne la sagesse. Et d'intelligence. Il donne l'intelligence. Esprit de conseil. Il donne de conseil. Et de force. Il donne la force. Esprit de connaissance. Il donne la connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voulons être tous des visionnaires. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des visionnaires. Nous sommes tous des visionnaires. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit est un visionnaire. Seulement l'autre, bon, l'Esprit l'agite et puis sinon, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, Dieu lui parle à tout moment. Alléluia. Alléluia. Dieu lui parle à tout moment. Il donne la sagesse, il donne l'intelligence, la connaissance, il donne la force. Et même le Saint-Esprit donne le conseil. L'Esprit Saint donne toutes ces choses. Il parle. Une chose ne parle pas. Le Saint-Esprit parle. Il a des sentiments. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il convainc même. Le Saint-Esprit enseigne. Et il rappelle. Jésus-Christ disait dans Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, oui, que le Père enverra en mon nom, mm-hmm, vous enseignera toutes ces choses, oui, et vous rappellera tout, et ce vous que rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit. Voilà ses attributs. Le Saint-Esprit, c'est aussi un conducteur. Dans Jean 16, le verset 13, Jésus-Christ, nous, c'est un conducteur. Quand le Consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, il vous conduira, dans toute la vérité, dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mm-hmm, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Merci. Donc il annonce aussi. Le Saint-Esprit annonce. Le Saint-Esprit est un conducteur.
Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie est de changer l'homme. Si tu as le Saint-Esprit et tu ne changes pas, il va te quitter. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. La parole de Dieu disait, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il disait, Samuel parlait à Saoul. Après avoir versé de l'huile sur lui, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Oui. Tu prophétiseras avec eux. Toi-même, tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Es-tu prêt de changer? Laissons les agitations libres. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Un homme conscient ne tombe pas comme ça. Sois conscient. Un homme conscient ne tombe. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ronir les hommes. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire tomber, relever. Ça devient du théâtre là. Le Saint-Esprit est là pour faire des choses sérieuses avec toi. Si tu tombes, relève-toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Fais attention. Et en tombant, même regarde bien par terre. Alléluia. Alléluia. L'Esprit est là pour changer l'homme. Pour changer l'homme. L'Esprit, c'est une force régénératrice. Tu seras changé. Relis-moi ça. Tu seras changé. Il disait, l'Esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Si tu prophétises le jour-là, sois capable de changer encore dans l'avenir. Ne garde pas le même statut. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Mm-hmm. Tu prophétiseras avec eux. Oui. Et tu seras changé à un autre homme. Son rôle est de nous rappeler la parole de Dieu. Oui. De nous rappeler la parole de Dieu. Et de nous donner une armure spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 17, il disait l'épée de l'Esprit. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Qui est la parole qui de est Dieu. La parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne touches jamais la Bible. On commence la prédication. Toi, tu sors ou tu dors. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, tu es sentimentaliste. Un joueur en ballon comme ça, tu tombes. Le Saint-Esprit est là pour faire du sérieux. Simon Pierre, qui était un homme impulsif, Simon Pierre, qui était un homme colérique, à l'arrivée du Saint-Esprit, il est devenu docile. Il est devenu un homme de douceur. Voilà le changement. Lui, qui fuyait devant même les femmes, maintenant, il disait, je n'ai ni or ni argent. Avant, il ne disait pas ça. Avant, il avait un couteau même dans la poche. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit l'a dépouillé. Es-tu prêt d'être dépouillé? Toi, l'arnaqueur, es-tu prêt d'être dépouillé? Toi, visionnaire corrompu, es-tu prêt d'être dépouillé? Esaïe était un prophète aux lèvres impures. Mais après le baptême de l'Esprit, il pouvait dire, me voici, envoie-moi. Le Nouveau Testament commence par Actes des Apôtres. Raison pourquoi après Matthieu, Marc, Luc, Jean, le livre qui suit est Actes des Apôtres. Pourquoi Actes des Apôtres? Ils avaient leur acte qu'ils avaient, le Saint-Esprit les a changés maintenant et ils sont devenus des hommes nouveaux. Alléluia. Alléluia. Vous allez recevoir une force. A dit Seigneur Jésus-Christ, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Actes chapitre 1. Le verset 8. C'est mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Oui. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire Judée, Samarie et Jérusalem. On constatera vos changements. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on t'appelle. On va dans ta maison, on saura même que tu es un homme régénéré. Ce n'est pas à l'église seulement, tu tombes, tu prophétises, tu prêches. À la maison, arrivé là-bas, on doit recevoir de toi un bon témoignage. Un bon témoignage. Jérusalem, Judée, Samarie et à l'extrémité de la terre. Même jusqu'à ton boulot, on doit constater que tu es devenu un homme nouveau. Quelques jours se sont écoulés depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa promesse qu'il avait faite aux disciples, il a réalisé cette promesse. Et dans le verset 5, Actes chapitre 1, le verset 5,
Car Jean baptisait d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà, voilà les trois baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Baptême de feu, c'est l'enfer. Tu refuses baptême du Saint-Esprit, tu n'échapperas pas au baptême du feu. Mais pourquoi Jésus-Christ a, ou bien Dieu a attendu ce moment pour leur donner le Saint-Esprit publiquement? Sinon, ils avaient le Saint-Esprit. Pentecôte, c'est, ça veut dire 50 jours après la Pâque. Et c'était une fête juive que les Juifs se rassemblaient parce que depuis la tour de Babel, il y avait une malédiction. Et Dieu veut résigner cette malédiction. Et il a réglé ce problème de malédiction le jour de Pentecôte. Genèse chapitre 11, verset 1, 2, 3. Toute la terre avait une seule langue. Ils avaient une seule langue. Et les mêmes mots. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa. Et ils habitaient. Oui. Ils se dirent les uns aux autres: allons, faisons des briques. Et puissons-les au feu. Oui. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Oui. Ils disent encore: allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Oui. L'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Merci. Et c'est là la malédiction de Babel. Babel veut dire confusion. Voilà la malédiction. Pour régler ce problème de malédiction, Dieu a fait rendez-vous avec les apôtres au jour de Pentecôte. Raison pourquoi, le jour, ceux qui étaient là, ils écoutaient leur langage, ils écoutaient leur langue. Les gens qui n'ont jamais été à l'école, ils parlaient en leur langue d'étude. Le verset chapitre 2, l'étude du jour. Acte chapitre 2, le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et s'opposaient sur chacun d'eux. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Ce n'est pas selon leur volonté, mais selon ce que l'Esprit leur donnait. Ce n'est pas parce que, bon, je suis maintenant, il y a beaucoup de monde, je dois faire mon numéro. Non. Ils parlaient. Ce n'est pas que le jour de Pentecôte, les apôtres sont devenus des visionnaires. Non, ils ont prêché la parole. Quelle confusion! Nous pensons que, au temps de Pentecôte, là, il faut tomber, il faut avoir les... Non. Ils ont prêché le jour-là. Le jour-là, ils ont prêché rectificatif. Ils ne sont pas tombés par terre pour parler. Non, tu paieras voiture, tu iras quelque part, on va te donner de l'argent. Si tu joues au loto, tu vas gagner. Non. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et ceux qui étaient là écoutaient la parole de Dieu dans leur propre langue. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations. Ils sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Oui. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que les apôtres avaient soif du Saint-Esprit. Et l'Esprit est descendu avec tous ces gyrophares. Parce qu'ils ils avaient soif. As-tu soif du Saint-Esprit? Ou bien tu veux avoir l'Esprit seulement pour rivaliser à la maison? Je vais prêcher plus que lui. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Je suis visionnaire plus que lui. Je vais faire plus que. Non, attention. Si l'Esprit voit que tu as ce goût en toi, il te laissera, il ne viendra pas. Parce que lui n'est pas là pour briser l'église ou bien pour torpiller les hommes. Non, il vient d'abord, il te sépare des choses de ce monde et maintenant, tu dois parler selon ce qu'il te donne. Allez-y. Les hommes pieux,
Les intellectuels de ce temps disaient, mais ceux-là, comment ils peuvent parler notre langue? Il faut être un étudiant d'abord. L'es-tu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Oui. Et ils se disaient, ils se disaient les uns les autres. Voici ces gens, ne sont-ils pas des Galiléens? Mais c'est des villageois, c'est des villageois. Ceux-là, on les connaît, regarde leur accoutrement. C'est des villageois, c'est des Galiléens. Qui les connaît? Même en Galilée, il n'y a pas une école là-bas. Comment ils ont pu comprendre notre langue? Mais notre langue depuis Babel. Mais comment ils ont fait? Acte chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, oui. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le. Oui. Tous. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ. Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, oui. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Il était rempli de Saint-Esprit et il a parlé de Jésus-Christ. Quand on est rempli de Saint-Esprit, on ne parle pas de l'argent ni de politique. On parle de Jésus-Christ parce que c'est son esprit. Le verset 13, ils étaient tous... Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple, oui. Sans instruction, ils n'ont jamais été à l'école, sans instruction, oui. Et il a reconnu pour avoir été avec Jésus. Oui, même Jésus-Christ, même dans Jean 7, le verset 15, les pharisiens disaient, mais comment il a fait pour connaître les Écritures? Lui qui n'a jamais étudié, Jean chapitre 7, le verset 15. Les juifs s'étonnaient, disaient, comment connaît-il les Écritures? Oui. Lui qui n'a point étudié. Voilà, lui qui n'a point étudié. Pour être ouvrier de Jésus-Christ, il n'est nullement nécessaire de faire partie d'une élite, ni d'avoir un certain niveau d'études pour être ouvrier de Jésus-Christ. Non. Premièrement, cette attitude doit dépendre de lui. Premièrement. Deuxièmement, se soumettre à l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu es visionnaire, tu es prédicateur, tu es devancier suprême, évangélique, quoi, là, que tu es au-dessus de Saint-Esprit. Non. Telles sont les seules conditions requises pour être quelqu'un ou bien pour être un enfant de Dieu portant le Saint-Esprit. Conclusion, Actes chapitre 2, le verset 3. L'Esprit, avant de se poser sur eux, il les a séparés. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu séparés les unes des autres. C'est pas parce que vous avez commencé la semaine 7 ensemble que obligatoirement vous avez les mêmes missions pour Dieu. Non. C'est pas parce que vous êtes ensemble, vous priez ensemble, le Saint-Esprit vient, il va vous séparer. Parce que votre union, peut-être vous êtes dans l'impudicité ensemble. Quand lui vient là, il sépare. Abraham disait à Lot, sépare-toi de moi. Parce que Lot était à côté d'Abraham, le Dieu ne parlait plus avec Abraham. Abraham était comme ça. Mais le jour que Lot est séparé d'Abraham, Dieu l'a parlé le même jour. Es-tu prêt de cette séparation? Je ne parle pas de division. L'esprit ne me donne pas de division. Il va te séparer. Langue semblable à l'homme de feu. Les sépara d'abord avant de rester sur eux. Les tue. Le verset 3. Relisez. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Es-tu prêt d'être incompris dans ta famille? Si tu es prêt d'être incompris dans ta famille, viens chercher le Saint-Esprit. Es-tu prêt? Celui qui a le Saint-Esprit n'est plus ordinaire. Il devient extraordinaire. Celui qui a le Saint-Esprit n'est plus naturel. Il devient surnaturel. Aujourd'hui, l'Église est naturelle. Le monde comprend l'Église. On vient, on fait tout. L'Église ne parle pas de péché du monde. Les boucons même viennent à l'Église. Donner de l'argent, donner des sorts réduits comme ça. L'église est devenue naturelle, l'église est devenue ordinaire. Recevons l'esprit de Dieu pour impacter le monde.
l'Esprit de Dieu. C'est lui, Moïse l'a vu. Buisson ardent, c'était le Saint-Esprit. Mais la voix qui parlait dedans, c'était Jésus-Christ. Es-tu prêt? Es-tu prêt de te séparer là où tu es? Est sanctifié, déchausse-toi, déchausse-toi. Tu dois te séparer de la, des choses de ce monde. La sanctification. La voix disait, Moïse disait, je vais me détourner pour voir. Déchausse-toi. Le Saint-Esprit et le péché ne demeurent jamais ensemble. Réfléchissons. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint. Accorde-nous ta connaissance. Amen. Accorde-nous ton esprit. Amen. Afin que le monde soit épaté. Amen. Par notre génération. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.